importante et qui est à la fois, si j'ai fait la liste, il est vigneron, il va ouvrir une boucherie et il est éleveur. Et donc, on est... Pour l'instant, non. Voilà, alors il habite à Bagnouls, il a son troupeau de vaches de l'Albert dans le massif, et David qui est en biodynamie, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu précurseur dans le département, avant que tu sois déméter, tu es déméter, non? Avant que tu sois, tu faisais déjà de la biodynamie et tout un tas de choses assez intéressantes. Alors avant de vous poser les deux questions que j'ai prévues, qui sont, qu'est-ce que vous envisagez dans les mois ou années à venir comme type de pratique vous permettant de progresser, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'une association comme Slow Food peut vous apporter? Mais auparavant, j'aimerais vous laisser la parole pour que vous disiez deux mots sur votre domaine, ce que vous avez envie de dire sur votre domaine. Voilà, même si j'ai déjà défloré un petit peu. Donc, dans l'ordre. C'est moi qui dois. C'est toi qui commences, tu es là. Eh oui. Faut le tenir un peu horizontal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez, oui? Oui. Ah, je suis très timide. Oui, bien sûr. Donc voilà, moi je suis vigneron installé à Ponteia. Je suis, quand je dis vigneron, je ne suis pas trop en fait. Je suis surtout paysan. Et accessoirement, je fais du vin. Donc c'est la démarche principale dans une activité, mais dans une situation familiale. Mon épouse, mon fils et moi. Mon fils maintenant est en train de faire son stage agricole, également sa formation, mais on va faire, il fait sur la partie élevage. Donc on est, non seulement on fait un peu de vin, mais on fait un peu de légumes, on fait un peu d'élevage. Avant de venir, d'ailleurs, j'étais très inquiet, parce que j'ai dû éradiquer un petit problème familial en cessant, en lactant sur 6 petites volailles, 8 volailles. Et alors faisant tes ventes, je t'avais dit que j'avais un peu de maïs que j'ai donné accessoirement pendant 15 jours de façon exagérée. Et j'avais peur que parmi vous, il y ait Pamela Anderson, mais je la vois pas. Donc je fais un peu de tout, par passion, et je suis apiculteur de formation. Alors je défends aussi l'abeille, avec véhémence, avec beaucoup de difficultés, comme je défends tous les aléas de la vie, qui sont les agressions, la pollution, l'exagération humaine et toute cette situation de déséquilibre que nous provoquons. Et l'agriculture est aussi, c'est surtout un lieu où dans le département, on n'a pas énormément d'entreprises, mais nous dérangeons énormément l'atmosphère, les lieux, les écosystèmes, et donc on doit se battre pour essayer de gérer à l'intérieur de son propre lieu, nous, chaque agriculteur, voilà, des écosystèmes et un lieu de vie. Nous, en biodynamie, on appelle ça une unité de vie, c'est-à-dire revenir à nos structures anciennes. On a des alchimistes qui ont passé des messages. Ces messages sont parvenus à nous. Alors aujourd'hui, on les a transformés et puis on a écouté les dires de Rudolf Steiner, nous, pour la biodynamie. Ailleurs, c'est d'autres façons. Et puis, on essaie de mettre en place tout un process, des concepts qui sont formés, qui sont simplement comment traiter la terre, comment la soigner. Et on avance avec ça, sans travailler. Donc, pour ma part, c'est sans avoir recours à quel que soit un produit quelconque de chimique, et je ne fais aucun achat de produits extérieurs, hormis du soufre en poudre. Voilà. Bon, garde le pour tout à l'heure, pour les questions suivantes. Garde. Ça suffit, là. Hein. Ah oui, non, mais en fait, tu veux que je dise autre chose? Tu peux, mais tu dévoiles pas ce qui sera ta réponse aux deux questions. C'est-à-dire quelle pratique pour progresser et quelle aide de Slow Food. Après, tu peux y aller parce que c'est passionnant tout ce que tu fais. Oui, bon, je sais bien. Donc, nous notre passion, c'est pas une passion journalière. Pour moi, l'acte paysan, c'est un acte philosophique, c'est un sens de vie. Donc, je m'inscris surtout pas parce que politiquement, j'ai une idéologie très particulière et j'ai un militantisme qui, déjà, il y a peut-être une partie de la salle qui va quitter la table. Je suis formé par des idéologies socialisantes. J'étais passionné par la coopérative. La coopérative aujourd'hui est en train de disparaître. Dans l'unité agricole qui date des années 20, j'y ai travaillé pendant 16 ans à la coopérative, à la tête de la coopérative de Canouès, en tant que salarié. Et j'étais passionné. Donc je suis passionné par ces démarches-là. Et de plus, j'ai milité dans des endroits assez particuliers, qui seront dérangeants là pour certains, chez les anarchistes. Et là, on trouve déjà, je n'ai pas cet attrait, cette action et ce rapport à l'argent.
Et ce rapport à l'argent, il est en train de s'amplifier du côté négatif aujourd'hui, pour moi, pour ma part, par rapport à un système social et de société, sociétal. Et derrière, je pense qu'on peut, ce que j'expliquais après, développer une forme agricole aujourd'hui, inciter et donner la place à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de travailler les terres ça va être ton premier et ça fait partie de mes actes de vie permanents. D'accord. Voilà. Mais donc, sur le progrès, tu parleras de ton fils, c'est très intéressant. Oui, on verra. Nicolas, on va faire trois fois le tour, donc il faut quand même... Mais là, tu dis ce que tu as envie de dire, sachant qu'après, il y aura les deux questions. Donc, Nicolas, je suis associé avec mon épouse, Thérèse, horizontal. Ton épouse Terra, c'est horizontal. C'est intéressant. Donc, je suis associé avec Thérèse qui garde les enfants dehors. On entretient 800 hectares sur la commune d'Argelès. Dont 350 hectares de réserve naturelle, la réserve naturelle de Vincennes. Avec une cinquantaine de bovins à l'année, donc c'est une trentaine de mères reproductrices. Et après, on garde les bœufs et les génisses, donc des mâles que l'on castre et des génisses, un an et demi de plus sur l'exploitation pour vendre après la viande, une viande qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue du goût. Donc ces 800 hectares sont menés en bio, enfin, en même temps c'est de la forêt, donc c'est un peu facile, j'ai rien à faire. Oui, c'est vrai. Pour les animaux, c'est pareil, ils sont menés en bio. On a une quinzaine de chevaux aussi, des chevaux de Mérins, avec des ânes catalans, qui nous permettent après d'entretenir des propriétés privées qui sont aux alentours du village. Hein. On va jusqu'à Sorède, Montesquieu des Albères. On entretient des terrains de gendarmerie à Argelès. Malais. Donc ça me permet justement d'être anarchiste et d'avoir les gendarmes avec moi. Et donc du coup, ça nous permet d'entretenir des terrains pour éviter que les propriétaires mettent des désherbants, travaillent leur sol de manière impropre. Et donc comme les animaux le font naturellement, ça va bien à tout le monde. Donc c'est des prestations qu'on facture pas du tout, hein, mais ça permet à nos animaux de manger gratuitement en fait. Voilà, ça c'était pour la partie élevage, et pour la partie vigne, on a 2 hectares sur Vanus, qu'on mène aussi en agriculture biologique, et 3 hectares sur Saint-André, qu'on mène aussi en agriculture biologique. Et puis voilà pour les terres. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Vanus, ça fait déjà 2 ans. Non, comme ça, comme un micro, comme un truc de... Oui, mais j'ai pas l'habitude des micros. Daniel, ça fait déjà 2 ans qu'on vinifie au 9 tables ce collectif de vignerons qui se sont associés pour vinifier individuellement, mais pour avoir une structure collective. Et Saint-André, on vient d'acheter en fait des terres sur Saint-André, on est en train de planter des cépages assez particuliers sur Saint-André pour avoir un cuvée un peu particulier. Et puis voilà, le projet va sortir. Bon, après tout à l'heure, voilà. Frédéric B. Oui, voilà, je suis Frédéric B. Je suis un jeune agriculteur récemment installé à Argelès. Quel âge ? J'ai 30 ans, 31 ans. Donc voilà, je fais principalement de la culture de l'olivier. J'ai repris 3 hectares d'olivier. Donc j'ai diversifié les cultures sur du grenadier, du figuier, des agrumes et des figues de Barbarie. Donc ce qui fait 6 hectares et demi au total. Et voilà, je suis content d'intégrer le conseil d'administration de Slow Food, parce que je partage beaucoup de valeurs avec cette association. Et voilà, donc je vous remercie. Bon, il faut que tu gardes des réponses pour tout à l'heure. Voilà. Ça claque, lui, là-bas. Bonjour, moi je m'appelle Pierre. Je suis agriculteur depuis l'âge de 19 ans, donc je vis dans le Nord-Est. Moi, j'ai plusieurs cultures en place qui vont de la vigne, l'olivier, figuier, grenadier. Ben, depuis quelques jours, des capriers et des pistachiers. Et après, mes objectifs pour cette année, c'est de développer le tourisme pour un peu mieux maîtriser la vente directe. Donc, il y aura aussi des créations de gîtes, de chambres d'hôtes. Et après, accentuer un peu la transformation. Donc, c'est la création d'un four de séchage
écologie, comme dira. Attends, mais ça, c'est la première question. Qu'est-ce que tu vas faire pour la démarche de progrès? La démarche de progrès pour cette année, c'est des gîtes, un four écologique. C'est parce que Pierre, le collectif et suivre les consignes, ça l'agace un peu. Peut-être. Bon, et tu auras la parole après alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il agace ? Je suis vrai continu. Bonjour à tout le monde, donc Catherine Bassin, je suis paysanne depuis 1994 sur la commune de Mossec avec mon mari. Donc on a une exploitation chacun. Donc lui il a des bovins laitants qui le vend à l'exportation. Et moi je fais du porc plein air. Donc c'est une toute petite, un tout petit élevage sur 4 hectares. Donc j'élève une centaine de porcs par an que je vends principalement en direct. Voilà, quelques restaurateurs, à ma sœur, enfin voilà, à certains privilégiés, je vais dire. Et voilà, et j'en dis pas plus parce qu'après il faut répondre aux questions de... Oui, mais tu vends quand même aussi à la boutique paysanne. Oui, je vends évidemment à la boutique paysanne. Et surtout, on est en train de réfléchir actuellement, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui s'installent en port plein air. Ouais. Donc on est en train de réfléchir à monter une espèce de syndicat de port plein air sur le département pour défendre un peu cet élevage qui est superbe et qui mérite d'être un peu structuré. Voilà. Oui, parce que... Parce que dans le port, on voit... il y a toujours eu un peu du port catalan. Mais dans le port, on voit le succès économique, par exemple, des Basques. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens achètent du porc à Thibaut Gonzalez ou à Cathy sur le nom. Ils disent « Ah ouais, c'est bon, c'est ce producteur ». Mais il n'y a pas de label, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de signe de qualité. Et donc, moi, je fais partie de ce groupe-là qui réfléchit à ça depuis 2 ou 3 ans. L'idée, c'est ça, c'est d'aller vers quelque chose que le consommateur, c'est « porc plein air catalan ». Voilà. Parce que fermier, ça ne veut rien dire. Hein. Non, je vous expliquerai peut-être. Donc ma première question, je la repose, c'est pour chacun d'entre vous, quel progrès envisagez-vous dans les mois ou années à venir dans vos pratiques agricoles? C'est vrai qu'avec mon voisin de droite, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir trouver le fer en plus. Hein. Enfin, bon. Comme ça carbure tout le temps, il doit avoir quand même quelques jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire. Il va toujours diminuer. Parce qu'en agriculture biodynamique, on a tendance à toujours faire, nous sommes dans l'homéopathie. Et l'homéopathie, ça a une grande importance. C'est-à-dire que nous donnons à la terre, nous donnons à la terre et à l'eau une impulsion, l'eau a une mémoire. Et donc ce travail-là nous permet d'approfondir, on va, si vous voulez, avec des doses infinitésimales, agrandir toujours et apporter encore plus ce que sont les produits homéopathiques que vous consommez tous les jours. Il faut savoir que, parce que beaucoup de gens en consomment, ils ne savent pas comment c'est fait. Ce sont des doses infinitésimales d'un produit. Si vous avez un manque de calcaire, on va vous donner une dose infinitésimale qui a été dynamisée dans un litre d'eau. Et dans cette dose-là, on l'a prise, on en a pris rien qu'un centilitre qu'on a remis dans un litre d'eau et qu'on a agité, on en a fait une dilution. Vos produits de traitement, ce que vous avez à la pharmacie, souvent c'est des 5, des 6, des 8, ça a été fait 8 fois. Donc plutôt que de prendre l'antibiotique avec une dose qui tuerait un âne, on vous donne une dose, nous en homéopathie, qui est toujours diminuée, mais sur laquelle on a donné beaucoup plus d'énergie. Et nous en homéopathie, philosophiquement, et en agriculture biodynamique, on donne de l'énergie tous les jours, un peu plus, et toujours avec des doses moins fortes. Donc j'ai envie de travailler beaucoup moins, et j'ai envie que l'aliment, et là je pourrais répondre après à d'autres choses pour les produits et les aliments, mais on a envie qu'il y ait plus de résultats. Et il faut savoir se contenter de peu, mais le peu doit être nourrissant pour tout, pour l'individu, pour la structure, et pour notre ensemble familial. Et ça, ce sont des choses toutes simples. Alors, ce que je fais moi aussi dans ma démarche, c'est que j'ai toujours quelque chose de supplémentaire, c'est l'attrait et le développement intellectuel philosophique de gens qui travaillent la pierre. Tout cela pour dire que les paysans, pour moi, je défends une force manuelle. Cette force manuelle, c'est un sens d'avenir, et je suis toujours partenaire des gens qui travaillent avec leurs mains, des gens, des artistes. Et des artistes, il y en a partout. On n'est pas spécialement artiste pour vendre une œuvre d'art.
Les artistes sont des gens qui développent, qui aiment les choses, les belles choses, les choses bien faites. On est dans un endroit ici qui à mon goût, n'est pas quelque chose qui a coûté plus cher qu'une structure, que ce que vous, vous avez payé. Si vous avez une maison montée avec des blocs et du placo-plâtre dans un lotissement, souvent ça vous a coûté deux fois plus cher qu'un bien comme celui-ci ici. J'en suis preuve, c'est que j'ai plus de 40 ans de maçonnerie, maintenant j'ai toujours traîné dans la maçonnerie. Et je sais que les choses belles sont des choses qui vous font avancer aussi. Donc l'art, la façon de travailler, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer beaucoup plus dans la vie. Et moi, dans mon domaine, puisqu'il y en a qui sont venus, j'ai toujours eu tendance à donner un peu de valeur aux plantes, à les enjoliver. Des gens qui font toujours de l'agriculture n'ont jamais de fleurs dans leur jardin. Moi, je connais et j'ai connu énormément de paysans qui m'ont appris. Je tiens la terre de la famille, de mon père, qui m'a transmis des messages. On a toujours eu des fleurs dans le jardin. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas de fleurs. Et les paysans eux-mêmes n'enjolivent rien. C'est complètement absurde. Parce que si vous voulez avoir de la volonté, et si un travail doit se faire à l'avenir, il faut absolument y apporter de la joliesse, il faut enjoliver les choses, il faut donner un peu quelque chose, une beauté au patrimoine et au paysage. De plus, par cela, on accompagne un environnement. Si on fait demain que des bâtiments en tôle, c'est pas grand-chose, on n'arrivera à rien parce qu'on a des structures. Et alors des fois, on peut très bien avoir des jardins, ce que je défends aussi à l'extérieur, des gens qui font des abris pour faire des petits pois ou ou quatre légumes avec des abris de palettes. Mais il y a des gens qui font ça très bien. Et puis il y a le recyclage de petits pois qui va aussi enjoliver le jardin. Donc il faut savoir travailler la terre, apporter un petit plus. Et ma foi, on voit qu'on arrive à quelque chose. Il ne faut surtout pas faire des grandes quantités. Et nous, moi j'ai envie de développer une agriculture qui permette d'associer plusieurs personnes et de voir que les jeunes ont leur place, ce que je disais après, pour travailler au mieux à l'avenir sur des terres et qu'on puisse aussi, que des gens puissent enfin essayer de lâcher des terres du département agricole qui ne sont pas disponibles et qui sont bloquées parce qu'on attend un terrain à bâtir potentiel. Voilà, et ça c'est bien. Je ne dis pas plus parce que nous. Non, mais je dois te dire que j'ai pas eu le temps de parler avec toi, mais cet endroit, quand j'ai découvert cet endroit, tout à l'heure vous aurez peut-être la possibilité de voir la chapelle, le monsieur qui a créé cet endroit, qui était un habitant de Céret, qui est devenu très riche dans les pétroles après avoir fait Polytechnique, il est revenu ici, il a passé 30 ans à construire Pierre Perquin. Et chez David, l'entrée des chais, c'est une façade d'église. Avec un vitrail, non ? Non ? Ouais, voilà. Donc, quand j'ai dit on va faire l'Assemblée Générale ici, le vigneron, tout de suite, j'ai pensé à lui. Bon, il n'a pas fait tout ça, hein, mais il y a le même respect du geste, du travail de l'artisan, du travail de la pierre. Chez le monsieur qui s'appelait Jean-Pierre, lui, il allait plus loin, il s'appelait Jean-Pierre, et qui est mort à 95 ans, là, il y a quelques mois, mais qui a fait tout ce domaine assez extraordinaire. J'ai pensé tout de suite à lui. Bon, sauf que lui, il a fait une vraie chapelle, alors que lui, on rentre dans la chapelle, on s'aperçoit que c'est léché. Voilà. Alors, quel progrès tu envisages dans ton exploitation ? Je ne devrais pas dire exploitation. Dans ton travail, dans tes pratiques, dans les temps à venir. Alors, au niveau des pratiques vigneronnes, surtout. Nous, on a, donc sur Banyuls, la difficulté qu'il y a, c'est... La difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien de... comme ça ? Non, horizontal, vertical. Comme une sucette, comme ça, là, et tu veux que tu bouges un peu plus. Donc, c'est que rien n'est mécanisable, donc, effectivement, ça rentre dans ce que disait... Attends, mais j'ai une autre... C'est que chez nous, à Banyuls, le vignoble, il est forcément une œuvre d'art. À travers à la fois son architecture liée au murette, hein, au paysage de Banyuls, où on a à la fois cette tourmaglotte qui surplombe le village, l'albert qui vient plonger dans la mer. On est vraiment dans un cirque entouré par l'albert entre Cervère et Banyuls. Et la protection montagneuse aussi qui va vers Covio, on est dans un cirque, et Banyuls c'est assez magique comme paysage. La pile. À Banyuls, effectivement, par rapport aux pratiques culturales, on est limité, comme tout homme est limité de toute manière, donc nos pratiques sont limitées à la fois par rapport au paysage. C'est vrai, non ?
Ça va ? Oui, il faut le garder toujours un peu à direction de l'appareil. Et donc nous, l'évolution, donc on a repris les lignes il y a 2 ans, donc elles sont encore en conversion bio. Alors effectivement, on a commencé à avoir de l'herbe, tout ce qu'il fallait de vie. La difficulté est liée au climat aussi. Même là, ça concerne carrément toutes les Pyrénées-Orientales, surtout la plaine et les Aspres, Valespire et Albert. C'est que l'été, la vie des sols, elle se réduit au néant, quoi. Le soleil et la framentale qui sèchent, donc il n'y a plus d'humidité, parce que pour que le sol vive, il faut de l'humidité. Il n'y a plus d'humidité, et donc les sols meurent, et donc les plantes, notamment la vigne, même les arbres, le ressentent vachement. Donc la concurrence entre l'herbe et la vigne, qui sur Bagnou, c'est une concurrence liée à la concurrence hydrique, le besoin en eau, sera un allié sur d'autres territoires, en Bourgogne, en Bordelais ou autres, mais qui chez nous est une réelle concurrence, vont faire qu'il y a des années, il y a des moments dans l'année où on va pouvoir arracher l'herbe à la main, ce qu'on fait à peu près un mois et demi par an avec un salarié. Mais exemple, il y a des périodes dans l'année où on va devoir la laisser cette herbe. Il y a l'année dernière, quand il a plu au mois de novembre, le cru Bagnouls Collioure a été complètement endommagé par les crues, par ces pluies diluviennes. Et donc effectivement, quand on a regardé toutes les vignes qui avaient été bien accidentées avec des ravinements énormes, c'est toutes les vignes qui n'avaient pas d'herbe. Donc l'herbe avec ses racines retient les sols, évite l'érosion liée au vent ou à la pluie. Donc l'herbe a quand même son intérêt. Et nous, aujourd'hui, on travaille avec cette herbe-là, c'est-à-dire qu'à la fin, on arrête de désherber, de débroussailler avec la machine d'arracher l'herbe à partir du mois d'août à peu près. Et on laisse repousser ce qui arrive à l'automne jusqu'au printemps où on retravaille nos sols avec un chalic, une petite binette, donc ça c'est pratique culturelle sur Bagnouls. L'évolution qu'il y a, c'est que bon, on pratique, on développe un fumier, on composte nos fumiers de vaches et de chevaux qu'on met dans nos lignes en termes d'amendement. Et après nous, j'embauche saisonnièrement des gens dans le village pour travailler un peu les sols avec le chalic pour aller un peu plus vite. Donc ça c'est sur Bagnouls. Après sur Saint-André, sur les vignes de Saint-André, on a on va essayer de pas du BRF, parce que le BRF il y a un petit souci au niveau azote, hein, trop au départ, mais on va travailler avec des déchets végétaux qu'on va tapisser sur toutes les vignes entre 5 et 10 cm à l'automne, pour avoir un espèce de tapis pendant toute la saison, notamment l'été, qui permette à la vigne de garder les pluies printanières, l'humidité des pluies printanières, et d'éviter au soleil lors de l'été de trop sécher, au soleil ou au vent, de trop sécher les sols, pour essayer d'avoir comment ? J'ai dit s'il y a des pluies printanières. Il y en a plus qu'à l'automne, donc en tout cas l'année dernière c'était à peu près le cas. Et cette année, il n'a quasiment pas plu à l'automne. Donc ça risque d'être le cas aussi. En tout cas, il faut l'espérer, sinon c'est une catastrophe. Donc oui, l'objectif, moi, c'est l'évolution sur la pratique culturelle. C'est protéger la vie des sols, qui recommence en octobre-novembre. Et la protéger pour qu'elle puisse perdurer le plus longtemps possible. Au moins jusqu'en juillet-août, parce que sinon, à partir du mois de juin, nos sols sont complètement morts et puis il n'y a plus de trop d'intérêt ni aux amendements qu'on peut apporter, même s'ils sont naturels. Il n'y a plus d'intérêt pour la plante. Ce sont des amendements qui sont lessivés dès qu'il y a des pluies ou qui ne servent à rien, qui sont déminéralisés, donc ça ne sert strictement à rien. Donc notre objectif sur la ferme, c'est de protéger nos sols du soleil et du vent. Donc c'est quelque chose qu'on va faire sur 2,5 hectares. On va faire un test pour voir si, avec peu d'amendements en engrais,
mais avec un amendement en matière organique, donc c'est tapis de un paillage en fait, hein, mais de compost de déchets végétaux, voir si c'est intéressant. On a fait le calcul, on serait à peu près à 400 euros hectare en achetant les déchets végétaux de la commune. Et 400 euros hectare, vous voyez, en amendement bio ou non bio classique, on est à peu près dans ces prix-là, quoi. Donc on fait l'effort financier dans la pratique pour voir si vraiment il va y avoir une évolution sur la pousse, la qualité du raisin et la qualité des jus qui vont derrière. Voilà. Après, au niveau des projets, on ne sait pas encore. Oui, tu peux en parler. Ouais. Au niveau des projets, nous, la difficulté qu'on a au niveau de l'élevage, c'est qu'on est très dépendant des subventions, l'ordre de 70% à peu près. C'est dangereux avec les politiques qui changent tous les 6 ans, les PAC qui changent tous les 5-6 ans. On nous tend un morceau de carotte, on me dit « moi je préfère faire là ». Donc il arrive un moment où c'est plus tenable. Quand on aime la liberté, c'est un peu difficile. Quand on est son propre patron, on est agriculteur, paysan, on ne supporte pas qu'on nous jette une carotte et qu'on nous dise ferme-la. On a dans ce cadre-là ce besoin de liberté. Nous, on vient d'acheter une parcelle sur Saint-André où on construit notre cave viticole, une boucherie pour pouvoir transformer nos viandes et un restaurant, mais plutôt type auberge. Pour ne plus demander de subvention en fait, parce qu'on ne supporte plus cette espèce de... Je vais y arriver. On ne supporte plus cette pression que nous met l'administration malgré elle en fait, hein, mais c'est une pression pour les agriculteurs qui est assez difficile. Donc ça c'est une belle évolution. Tu as fait une formation pour avoir une boucherie? Ah oui, j'ai passé un certain boucher les dernières pour avoir la capacité juridique à ouvrir ma propre boucherie. Et là, je cherche à développer l'élevage de cochons sur mon exploitation, avec un élevage type plein air, bien sûr, avec une finition élevée au gland, un peu type Bellota, quoi, mais bon, on n'aura pas l'appellation, on s'en fout. Mais ce sera même meilleur que le Bellota. Bon, allez. Bien, moi, au niveau de l'évolution des pratiques culturales, bien, c'est continuer un peu ce que j'ai commencé, à l'image de ce que fait Nicolas, c'est-à-dire travailler avec des amendements organiques un maximum, c'est-à-dire du fumier composté, du BRF. Alors moi, le BRF, j'ai des sols très riches en azote, donc ça ne me pose pas trop de soucis. Et ça permet de maintenir le sol humide, de vraiment travailler la vie du sol, travailler avec la vie du sol, ce qui a été oublié depuis longtemps. Et ce sont des méthodes auxquelles on revient. Donc développer vraiment un maximum ça, mettre l'accent là-dessus, travailler avec des engrais verts, des semis de veste seigle qui sont là pour enrichir encore le sol en azote et maintenir de la vie dans le sol. Donc moi, j'essaye aussi de maintenir un maximum l'enherbement, même en période estivale, qui avec le mulching par du BRF stresse pas trop les arbres au niveau hydrique, mais peut permettre de ne pas mettre la terre à nu et donc de maintenir toute cette vie du sol qui participe au bon fonctionnement de la fertilité des sols et qui peut permettre de réduire les engrais azotés qu'on peut trouver dans l'industrie chimique, etc. Ça ne marche plus, voilà. Essayer de développer l'écotourisme, parce que j'ai des gîtes aussi sur place, ce que Pierre est en train de développer aussi, et de proposer des séjours vraiment à thème autour de l'écologie, c'est-à-dire que je suis en train de faire labelliser les gîtes pour qu'ils soient des gîtes panda, donc ça c'est un label spécial de gîtes de France, pour organiser des séjours touristiques sur le domaine, vraiment basés autour de l'écologie, de l'environnement et de la culture. C'est-à-dire à la fois sur mes pratiques culturelles à moi, faire découvrir aux gens qui viennent sur place mes méthodes de travail, l'agriculture biologique, l'arboriculture méditerranéenne, etc. Et aussi le milieu dans lequel ils viennent, c'est-à-dire, moi je suis en zone Natura 2000 à côté d'une réserve naturelle, les sensibiliser à tout ça, leur faire découvrir le patrimoine catalan, le patrimoine local, et donc mettre l'accent
sur l'écologie, l'environnement, la culture et le patrimoine au niveau touristique. Voilà un peu ce que seront les futures évolutions. Et après, aussi essayer de développer des activités de transformation de produits, puisque bientôt toutes les cultures que j'ai plantées rentreront en production, la grenade, la figue, les agrumes et les figues de Barbarie. Et c'est vrai que de plus en plus, essayer de maîtriser nous-mêmes, on en parle beaucoup avec Pierre, la transformation qui a un coût assez élevé. Donc s'associer entre producteurs pour investir dans du matériel de transformation et du coup produire nous-mêmes nos produits transformés de A à Z. Ça fait partie des futures évolutions auxquelles on pense. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, dans un futur assez proche, essayer de maîtriser nous-mêmes la fabrication de confitures, de jus, de figues séchées, etc. Voilà. Je ne veux pas vous saouler sur les pratiques culturelles qui sont à peu près identiques à tous mes camarades. C'est un peu des choses, ça y est, c'est pour ça. Sur mon exploitation, les changements, ça c'est ce qu'il vient de dire, c'est les outils de transformation de tous mes produits. Donc là, dans le mois qui vient, ce sera un four de séchage. Sur mon achat d'un alambic pour faire des eaux de vie de figues, qui est un peu méconnu, mais connu dans les pays méridionaux. Voilà. Et la création du tourisme, voilà, c'est mes principaux objectifs. Et continuer aussi à entretenir le côté esthétique de l'exploitation qui compte énormément pour moi. Et le tourisme, Le tourisme sera comme la construction, c'est de nouveau l'arrivage. Non, mais tu n'as pas dit que certains conteneurs étaient dédiés à ça. Là, j'attends l'arrivage de nouveau de 8 nouveaux conteneurs. Expliquez la maison, non ? J'ai la maison. Vous pouvez l'expliquer, oui. J'ai fait. Ah. C'est un peu complexe. Non, mais en gros. J'ai fait un nu avec les conteneurs. Avec 7 conteneurs, on a fait un nu, tout simplement. Et la partie creuse du nu qui ne contenait pas le conteneur a été fermée par une toiture. Donc ça a été tout ce qui est atelier de transformation. Tout le reste du conteneur, c'est de l'habitation. Et tu vas en avoir 8 de plus ? 8 de plus, voilà, la partie habitation, là c'est pour mes enfants. Je squatte chez eux en ce moment. Et là je vais faire une partie pour un appartement pour mon couple et 4 autres qui seront des gîtes et des chambres d'hôtes. Et un salle de vente qui est considéré presque fini la finalité. Après, bien sûr, on a été obligé d'arracher des arbres sur toute cette partie-là. On était en pleine nouvelle replantation. Voilà, c'était la priorité, toujours l'esthétique de l'exploitation. David dit, c'est plus qu'une priorité pour moi, c'est on ne peut pas vivre autrement. On peut le concevoir, on peut avoir une exploitation qui soit belle. Voilà. Bien. J'ai appelé ça débat parce que j'espérais que vous poserez des questions après. Hein. Oui, parce que là, tout le monde est beau et gentil. Voilà, moi c'est un peu différent parce que c'est de l'élevage, hein, donc c'est pas une pratique culturelle. Hein. Alors en fait, moi, sur ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est qu'on a diminué les quantités d'animaux élevés par hectare, si vous voulez. Au départ, j'avais 4 hectares. Et je faisais à peu près 200 cochons par an sur ces 4 hectares. Maintenant, je n'en fais que la moitié sur la même superficie. Donc voilà. Donc les rotations des parcs sont beaucoup mieux gérées. Ça veut dire que chaque fois que les animaux rentrent sur des parcelles, elles sont enherbées. Et donc, on est en train de réfléchir à ce que tout au long de l'engraissement de l'animal, il ait accès à de l'herbe. Parce que c'est très important pour le porc, qui est un monogastrique. Et le porc, on lui fait manger en élevage traditionnel que de la céréale, en fait, ça ne lui suffit pas. Ça le rend même des fois malade. Donc, il faut qu'il soit sur des parcours enherbés. Voilà. Donc là, nous, on vise un petit peu ça actuellement. Et diminuer aussi, c'est bien, hein, quand même, parce que les petits élevages, c'est important. Voilà. Actuellement, la politique, c'est plutôt les gros élevages, et nous, on est contre. Hein. On veut des petits élevages qui puissent exister, qui puissent économiquement être viables. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté de la réflexion sur l'élevage. Et puis, dans le futur, nous sommes, comment vous expliquer, dans l'élevage porcin, vous avez les naisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont des reproducteurs qui font naître les petits porcelets qui engraissent. Et il y a aussi les engraisseurs. Moi, actuellement, je n'étais que engraisseur, c'est-à-dire j'achetais des porcelets
que je faisais grandir et que je vendais. Donc dans le futur, on va passer naisseur. On va avoir des mères avec un beau verra qui va reproduire et qui va nous faire des petits porcelets. Parce qu'on a des formations agricoles en ce moment et on s'est rendu compte que quand on est naisseur, en fait, on a des plus beaux résultats au niveau des porcelets. Voilà. Quand on achète, on n'a pas forcément toujours ce qu'on veut, alors que quand on fait naître, on est plus maître de la situation. Voilà. En fait, la deuxième question, je ne vais pas faire un tour de rôle parce que c'est un peu trop formel. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent, parmi nos paysans qui sont là, dire quelque chose, s'ils en ont envie. Mais j'ai oublié dans mon PowerPoint, parce qu'évidemment j'ai dû le refaire, donc il y a des trucs qui sont passés à la trappe. Tout le travail qu'on fait avec la boutique paysanne, le souci, c'est soutenir aussi les démarches collectives. Et la boutique paysanne, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque c'est un lieu, c'est au soleil, hein, à Saint-Égénie, où il y a 23 paysans qui se sont réunis pour créer un lieu de distribution. Il y a un parking. Il n'y a pas les chariots, heureusement, mais enfin, presque, quoi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas dire « Ouais, mais c'est compliqué d'aller chez le paysan, c'est plus simple pour moi d'aller à Intermarché parce qu'il y a tout. » Mais là, pour ce qui est de l'alimentaire, vous avez un choix extraordinaire et c'est tenu par les paysans. C'est-à-dire que vous y allez n'importe quel jour. Et maintenant, comme ils sont 23, qu'est-ce que vous donnez? Une demi-journée par quinzaine ou une... On y est à peu près trois fois par mois, trois demi-journées par mois. Voilà, quand vous avez démarré, vous étiez 12 ou 13, et voilà, il fallait s'étaper. Là, on était très beau. Ouais, vous aviez presque un jour par semaine. Voilà. Là c'est trois fois par mois et des demi-journées. Voilà. Donc ça, c'est vous n'avez pas un commercial. Vous avez des paysans, et donc c'est peut-être un vigneron qui va vous conseiller sur l'agneau, ou un éleveur qui va vous conseiller sur les glaces à la framboise... D'Adama. Donc voilà, et son cochon, vous le trouvez débité sous vide. La saucisse est extraordinaire. Enfin, tout ce qu'ils font est très bon là. Hein. Si je commence à dire mon quartier, les autres, tout ce qu'ils font est très bon. D'ailleurs, tu n'as pas dit très bien, enfin, tu n'as pas dit comment tu faisais. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur votre commercialisation. Et donc, moi, ce que je pose comme question, c'est comment une association comme Slow Food peut vous aider, est-ce qu'elle peut vous aider et comment? Donc, qui veut dire quelque chose? Parler. Bien sûr. Oui, mais tout le monde pourra parler, mais toi vas-y. Ben, je vais venir en mettre. C'est terrible parce que je suis grave. Peut-être j'étais pas timide. Donc, les produits sains sont des produits sains, les produits biologiques sont toujours ces produits qui ont le sens du produit sain. Mais il y a autre chose qui est deux fois plus importante, ce que nous appelons en biodynamie, c'est le produit nourrissant. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un légume, dans un fruit, dans un produit transformé? L'important, par rapport à votre structure, c'est de cette démarche-là, vous mettez en valeur les aliments, et ça c'est important. C'est de savoir ce qu'est une carotte, c'est pas son aspect visuel qui va être important. Ce qui est important, c'est ce qu'elle nous apporte. Et ce côté nourrissant, mon biodynamie, nous faisons des travaux qui sont différents des laboratoires, qui ne se pratiquent pas, puisque ce n'est pas des appareils de mesure particuliers. Nous travaillons avec la cristallisation sensible. La cristallisation sensible, c'est un acte d'une réaction du cuivre que l'on met sur le truc, c'est assez particulier. On obtient des images sur tous les produits, les fruits, les légumes, les viandes, les produits transformés, des images qui sont qui se transforment, si vous voulez, avec un petit passage dans une étuve et avec un gros contact l'oxyde de cuivre, je crois, c'est ça, l'oxyde de cuivre. Et donc, on a une image qui se crée sur une petite lamelle, hein, et on va donner notre point de vue sur ces images-là. Et pour ce faire, on a des références, donc il y a une dame, c'est Marie-Françoise Tessor, qui a fait un livre, qui travaille dans toute l'Europe, qui travaille très bien d'ailleurs, et qui, elle, a mis au point des démarches, ça vient tout ça de Rudolf Steiner, pour autant, hein, on est sur des travaux qui ont été pratiqués déjà depuis de nombreuses années et décennies et autres. Et on a au travers de cela un visuel qui nous permet de savoir la qualité du produit. Alors là, ce n'est pas quantifié en tant que teneur et quantité de vitamines ou quoi que ce soit, ou la matière, est-ce qu'il y a un peu de produits dérangeants à l'intérieur ou pas, non. On est dans l'aliment et dans les éléments qui vont nourrir notre corps. Mais là, on est dans le monde du vivant et on rejoint des choses qui ne sont pas
transmissible, si vous voulez, dans, une quelconque analyse de laboratoire. Là, nous sommes dans une recherche approfondie de, du monde du vivant, du monde de la, de, du produit alimentaire qui va aider autant à l'intérieur, hein, sur une partie même, je dirais même un peu les dans ce que beaucoup de gens font, malgré moi qui suis anarchisan avec une chapelle qui ne croit pas en Dieu, des forces, si vous voulez, qui sont spirituelles, parce qu'elles sont présentes, et là on y croit beaucoup. On croit à ce monde du vivant, cette force-là, ce produit nourrissant. Et au travers de cela, je pense que c'est dans des structures comme la vôtre, où il faut mettre en valeur justement les meilleurs aliments. Et ces meilleurs aliments, on peut aussi les retrouver, vous les verrez, c'est vous, votre palais qui parle. Et moi, je ne fais que des produits qui sont toujours en dehors du marché. D'ailleurs, vous allez avoir à midi, peut-être aussi, je voudrais partir un courant, j'en sais rien, si vous allez boire des vins qui peut-être ne vous conviendront pas. Tous les palais ne sont pas aiguisés pour ce type de vins. Mais derrière, il y a une vérité dans ce qui a été fait en respectant la nature et l'accompagnement de la transformation des produits ou des produits tels que qu'un fruit ou un légume que l'on mange tel qu'il. Oui. Je vais raconter une anecdote que certains ont déjà entendue, mais je la trouve extraordinaire et vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu l'occasion ou la chance de rencontrer à plusieurs reprises et pendant un mois un philosophe qui est assez connu qui s'appelle Edgar Morin et qui faisait une cure à la Preste. Et bon, quand il est parti, il est venu manger dans un restaurant, il mange pratiquement que bio à Rivesaltes avant de prendre l'avion. Je lui ai donné 6 bouteilles de vin rouge bio du département, parce que chaque fois qu'on se voyait en mangeant, il me parlait des vins bio, il me disait bon. Et bon, je ne citerai pas le vin bio qu'il me faisait goûter, mais ce n'était pas nécessairement le plus intéressant, donc je voulais qu'il parte avec un autre souvenir. Et donc, il y avait 6 bouteilles, dont la bouteille de monsieur, le paysan philosophe qui vient de vous parler, qui n'est pas très connu, et qui est vraiment quelqu'un qui cogite, qui a une conception du monde, du sens de la vie, vous l'avez vu. Et 6 mois après, je rencontre une dernière fois Edgar Morin à Paris, dans son appartement, et je lui demande ce qu'il pense des 6 bouteilles de vin. Et il me dit, il y en a un qui m'a marqué, c'est le Nivet d'Aligny. Voilà. Alors, Edgar Morin, il n'est pas connaisseur en vin, mais je ne sais pas ce qu'il a reçu des hommes, il a trouvé quelque chose dans le vin. Et ce vin, vous allez voir, c'est un vin qui a une forte personnalité, qui a beaucoup de caractère, qui est particulier, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'apprécient pas. Donc on va goûter combien? 3 vins, non? Un blanc, un rouge et un vin doux. Voilà. Après, vous pourrez discuter avec lui puisqu'il sera avec nous tout à l'heure. Mais bon, c'est une belle histoire, comme quoi la philosophie peut se retrouver dans le vin. Absolument. Alors, à chacun de dire ce qu'il a envie de dire. Sur Zofou. Je sais pas qui est rapidement, moi, ce que Zofou m'a apporté. Et c'est pour ça aussi que je me suis investi depuis maintenant 3 ans, je crois. On va le donner à Parkinson, si tu continues. Oui, à ce food, c'est qu'il y a un réel soutien du monde agricole. Il y a une force d'image qui est quand même assez internationale, même si on est sur le Roussillon. Tu vas y arriver. Il y a quand même, c'est quand même une association à la base. Lui, il y arrive, c'est bizarre. Mais c'est saison, c'est ça. C'est la raison. Je vis. Ça vient de là-bas. Donc c'est quand même une association internationale. Parce que c'est stressé. La situation internationale. Et donc, nous, ce qu'elle nous a apporté au GAEC, donc à Fox, c'est que, à travers la race de l'Albert, la fameuse vache massanaise, qu'on essayait de développer sur le versant nord de l'Albert, parce qu'elle est très développée au sud, et reconnue comme race Albert, alors qu'ici elle est toujours pas reconnue. C'est que ça a permis effectivement de créer cette fameuse association des races locales, de commencer à travailler avec différents éleveurs qui potentiellement pourraient être intéressés à intégrer ce genre de vaches dans leur propre troupeau. Et donc il y a un réel soutien avec la présence des adhérents, les politiques qui peuvent être choisies par l'association. Et donc moi, ça nous a... Bon, je ne demandais pas ce que vous a apporté, parce que sinon ça fait un petit peu. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les pistes intéressantes à creuser. Il y a encore du boulot. Je sais. Vous voyez, le mois dernier, on était en préfecture, sous demande de madame la préfète, pour toutes les questions de reconnaissance de la race Albert en France. Donc c'est une évolution qui est présente aujourd'hui.
Ben parce que derrière, il y a eu des associations qui se sont bougées pour dire « Regardez, il y a des éleveurs qui cherchent à développer cette race-là, elle n'est pas aidée, elle n'est pas reconnue, comment on pourrait faire pour créer un label, comment on pourrait faire pour faire en sorte que ces gens soient le moins dépendants des subventions, etc. etc. » Donc, ils soulevaient des problématiques, et du coup, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la préfecture, qui a autorité pour faire bouger les choses sur la reconnaissance d'une race dans son propre état, quand même. Et bien, voilà, il y a quand même un travail qui commence à avancer. On a été convoqué plusieurs fois sous préfecture pour parler du travail des vaches divagantes, des élevages locaux, etc., etc. Donc, très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu peux dire ce que je faisais à passer là. Qu'est-ce qu'il faisait du projet, par exemple? Ah, il est buté, oui. On est passé d'une préfète qui veut sauver la vache de l'Albert. On vient d'un préfet qui les faisait abattre. C'est-à-dire, il y avait le gouverneur, enfin, l'équivalent du président du conseil général de l'Empourdan, qui avait dit « La vache de l'Albert, pour nous, c'est aussi précieux que la Roman. » À la même époque, à la une du journal, il y avait, pendant tout un été, le préfet fait abattre les vaches des Albert et divagantes. Voilà. Après, c'est un sujet. Donc là, maintenant, on a tourné la page, on est dans autre chose. C'est qu'effectivement, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On compte à peu près 200-250 vaches non étiquetées sur le massif de l'Albert, ce qui est un troupeau normal pour vivre d'un SMIC. Hein. C'est une vingtaine de bêtes. Hein. Avec subvention. Hein. Une vingtaine de bêtes. Donc, imaginez 250 le nombre de personnes qu'on peut arriver à faire vivre sur le massif. Et là, d'agriculteurs, oui. C'est difficile à chiffrer parce que ça dépend si c'est vendu.